Merci Antonio pour cette présentation. Merci vraiment à tous les organisateurs. Je suis très honoré d'être l'invité de cette année pour ce beau printemps des poètes. Et je vous remercie d'être venus très nombreux ce soir. Voilà, pour m'écouter parler d'abord. Qu'est-ce que j'ai mis? De la poésie aux étoiles? Oui, c'est ça. Oui, moi, j'ai interprété cela comme une carte blanche où je vais en fait me permettre. Voilà. Tout un parcours à travers mes diverses passions et mes diverses activités qui, comme effectivement l'a dit Antonio, regroupent des activités qui ne sont pas des violondingres l'une de l'autre. Pour moi, c'est forme un ensemble qui représente ma façon même de travailler. Donc aussi bien lorsque je fais de l'astrophysique, j'écris des équations de relativité générale, ou lorsque j'écris des poèmes, des romans, comme on le verra. Et j'essaierai aussi, si je ne prends pas trop de temps, de vous parler un petit peu également de mes activités dans le domaine de la musique et des arts plastiques. Tout cela, pour moi, ça forme un tout, et c'est ça la poésie, du mot poïen, ça veut dire création. Donc pour moi, la poésie, ce n'est pas que l'écriture d'un texte poétique sur une page blanche, c'est une façon de vivre le monde. Alors j'ai mis, parmi mes très nombreux ouvrages, à peu près une trentaine, j'en ai mis deux en exergue ici, parce que, bon, Illumination, qu'un jeu de mots évidemment sur mon nom, ça m'embarrassait un peu quand c'est mon éditeur qui m'a dit « je voudrais bien appeler le livre Illumination », ça faisait penser quand même à Arthur Rimbaud, c'était quand même une référence un peu trop haute, mais finalement, bon, en rajoutant « Cosmos et esthétique », ça traduisait bien ce que je voulais faire dans ce livre, parce que c'est dans celui-là où on trouve un petit peu la plus grande diversité de mes activités, puisqu'en fait c'est un recueil de très nombreux articles que j'ai écrits au long de ma carrière. Donc il y a de l'astrophysique bien entendu, mais il y a aussi de la littérature, de la poésie, de la musique, tout un ensemble de choses. Alors pour être plus près maintenant du Printemps des Poètes, effectivement Antonio a cité Les Poètes et l'Univers, qui est une anthologie, non pas de mes textes à moi, mais une anthologie des textes des plus grands poètes de tous les temps et de tous les pays. Alors un petit mot, pourquoi j'ai écrit cette anthologie? Elle a été publiée en 1996. À cette époque-là, j'écrivais de la poésie depuis très très longtemps. J'ai commencé à écrire de la poésie très très jeune, bien avant évidemment d'avoir l'idée de devenir un jour astrophysicien. Et pour moi, la poésie servait et sert toujours d'ailleurs à exprimer ce sur quoi la science n'a pas grand-chose à dire. C'est plutôt le cosmos intérieur. J'aime bien citer en général cette phrase de Bachelet, l'art qui parlait du double infini du cosmos et de l'âme, humaine, comme s'il y avait donc une résonance entre les deux. Mais pendant de très nombreuses années, mon écriture poétique, y compris les premiers recueils que j'avais publiés avant cette anthologie, marquait une sorte de schizophrénie personnelle où je faisais une séparation totale entre mon écriture poétique qui me servait à parler de la vie, de la mort, de l'amour, enfin tous ces sujets très très profonds sur lesquels je pense que la science n'a pas toujours des choses très très pertinentes à dire, et de notre côté donc mes travaux d'astrophysique sans aucune relation et interpénétration ou fertilisation entre les deux. Et c'est l'un de mes éditeurs de poésie de l'époque qui m'avait mis au défi, parce que bon, je lui avais dit que je méprisais un petit peu ce qu'on appelait la poésie astronomique, c'est-à-dire des poèmes qui mettaient juste en exergue des noms d'étoiles, des noms de constellations pour faire joli, etc. Je n'aimais pas beaucoup ce type de poésie, disons, didactique. Et mon éditeur m'a dit, mais tu verras, si tu étudies vraiment l'histoire de la poésie au cours du temps, tu découvriras en fait des poèmes extraordinaires qui parlent en fait du cosmos, mais vraiment issus de l'intérieur avec des intuitions. On a des rêveurs d'univers qui, par exemple, effectivement, ont parfois, grâce à la pure intuition poétique, ont réussi à toucher quelque chose de ce qu'on en croit être le réel, que découvrent plus tard des scientifiques. Effectivement, je me suis plongé dans ce travail anthologique. Et je dois dire qu'après, ça a ultérieurement influencé ma propre écriture poétique. Je suis devenu un peu moins schizophrénique. Et comme l'illustre, par exemple, ces quelques vers très très brefs issus de l'un de mes recueils, voilà, j'ai commencé à introduire des mots de l'astrophysique dans mon écriture poétique, mais toujours de façon métaphorique, de la même façon que dans certains de mes écrits de vulgarisation scientifique, j'utilise des mots issus de la poésie. Donc voilà pour cette introduction. Maintenant, je vais vous montrer une page de poésie pure, qui est celle-là.
Oui, parce que les mathématiques, c'est une forme de poésie. Alors évidemment, ça dépend des définitions que l'on peut donner au mot même de poésie et aux mathématiques. Mais pour moi, la poésie, le lien très fort avec les mathématiques, c'est la fantastique économie de moyens. Parce que là, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais il y a une grande économie de moyens. Bon, vous avez des équations un petit peu partout. Qu'est-ce que ça montre? C'est un extrait de l'un de mes articles sur les univers chiffonnés, la topologie cosmique, voilà, où on calcule des modes vibratoires d'espace aux formes très, très complexes. Ça met évidemment en jeu des formules mathématiques. Et d'une certaine façon, c'est de la poésie. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a le maximum de sens en le minimum de symboles. Pour moi, la bonne poésie aussi, c'est ça. Alors évidemment, vous avez des poètes après qui écrivent des traités en 10 000 vers, okay, mais bon, moi, la poésie qui me touche le plus, c'est une poésie qui est économe de moyens et de mots, mais qui contient justement l'essence des choses à travers à la fois sa musicalité et l'articulation du poème. Et puis je vous montre ça parce que c'est essentiellement le travail de tous les jours, le travail du physicien théoricien et de l'astrophysicien voilà, que je suis. Donc voilà, je voulais montrer. Et tout simplement parce que vous vous rappelez aussi, parce que je vais beaucoup vous parler d'écriture, hein. Ben, on écrit quand on est astrophysicien, on n'est pas du tout, on n'est pas poète, on n'est pas écrivain, etc. Mais on écrit des articles. On écrit des articles scientifiques, techniques, etc. C'est une forme d'écriture et on peut se donner le mal de formuler élégamment les phrases qui lient les équations entre elles. Hein. Alors on peut faire ça de façon très simple. En général, on écrit en anglais, donc on n'est pas forcément très très affûté dans la langue anglaise, mais on peut également s'efforcer d'avoir du style, y compris dans les écrits scientifiques. C'est pas très très répandu, je dois le reconnaître, mais c'est aussi quelque chose que j'ai toujours tenu à faire, c'est de garder une forme de qualité littéraire également, même dans des textes apparemment très très techniques comme celui-là. Bon, alors pour revenir à ce que disait Antonio, oui, voilà, la poésie est présente dans notre perception du monde. Vous reconnaissez évidemment la fameuse fresque de Raphaël, l'école d'Athènes, qui représente l'aréopage de tous les grands penseurs de l'Antiquité. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à trouver la flèche. Voilà. Donc ici, vous avez Platon et Aristote, et puis vous avez Épicure, Héraclite, Pythagore, enfin, ils sont tous représentés là. Donc c'est un tableau qui résume en un seul morceau d'espace des tranches temporelles différentes, parce que ces philosophes ont vécu sur plusieurs siècles. Voilà. Et si je montre ça en partie, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'époque de la naissance de la science, 6e siècle, 5e siècle avant Jésus-Christ, Pythagore, puis Platon, Aristote, et ainsi de suite, Parménide, Héraclite, etc. Et c'est l'époque où le mot cosmos est pour la première fois utilisé pour décrire précisément l'univers physique et matériel, étant entendu que l'étymologie grecque du mot cosmos, ça signifie la beauté, l'ordre et l'équilibre. Et auparavant, il était déjà utilisé par les grands poètes de l'Antiquité antérieurs à ça, chez Homère, chez Hésiode, on trouve le mot cosmos. Mais quand il parle du cosmos, il parle de la beauté d'un poème, la beauté d'une femme, la beauté d'un guerrier, mais pas du tout la beauté de l'univers. Et c'est justement le grand pari qui préside à la naissance de la science, en tout cas dans le bassin méditerranéen, de dire que l'univers, c'est un cosmos, c'est-à-dire c'est quelque chose d'organisé qui obéit à des lois. Parce que si vous relisez l'Iliade, par exemple, la guerre de Troie. Ben, vous voyez bien que les hommes qui sont là, les beaux héros magnifiques, Achille, Patrocle, Hector, etc., etc., ce ne sont finalement que des marionnettes qui sont les jouets des divinités tutélaires. Et c'est, en fait, ce sont les dieux qui se battent dans le ciel entre eux et ils ont justement leurs marionnettes humaines pour faire ces combats. Ça veut dire qu'il n'y a aucun libre arbitre et que l'univers n'est pas régi, que l'univers de cette époque, il est censé être régi par le caprice des dieux. Et donc voilà, c'est le grand projet de la science, c'est de dire non, l'univers n'est pas régi par le caprice des dieux, peut-être que les dieux existent, d'accord, mais l'univers, il est régi par des lois. Et ces lois sont les lois de la géométrie, des mathématiques, de l'arithmétique. Et à partir de là, on va utiliser le mot cosmos pour commencer à décrire l'univers matériel et physique. C'est le grand départ de la science en Occident.
Voilà donc ce rappel, hein, le mot cosmos, ordre, harmonie, beauté, car effectivement, faire de la science, en particulier de la physique et des mathématiques, c'est essayer de retrouver des lois qui gouvernent le cosmos, et les lois sont forcément le reflet d'une forme d'organisation et d'une forme d'ordre. Alors après, je sais bien que les termes de beauté, d'harmonie, ont un côté subjectif, il n'est pas évident de dire que telle équation, telle théorie, elle est belle. Mais en fait, quand on travaille, particulièrement les mathématiciens, on sait qu'il y a quelques équations emblématiques des mathématiques, comme par exemple l'équation de Euler, si je veux dire, elles sont incontestablement belles, même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et quand en plus on sait ce qu'elles contiennent, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, une économie de mots et de symboles extraordinaires pour dire le maximum des choses, alors là, c'est là où vraiment il y a l'esthétique de la recherche fondamentale. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire, donc je ne vais pas trop m'attarder à l'introduction. Le rapport entre la poésie et la science n'est pas si évident que ça a priori. Parfois, on a tendance à les opposer. Et déjà, Platon lui-même, dans son traité de Phèdre, voilà, écrivait que l'espace qui s'étend au-dessus du ciel n'a pas encore été chanté par aucun des poètes, ne le sera jamais chanté dignement. Voilà. Donc après, je me suis efforcé de montrer, notamment dans cette anthologie, que les grands poètes de tous les pays ont fini par donner tort à Platon en chantant à leur manière, de façon très digne et très belle et très poétique, la grandeur de l'univers. Alors effectivement, par contraste, Mallarmé a écrit aussi cette chose très belle, parmi d'autres évidemment, Baudelaire a aussi écrit des choses splendides à ce sujet-là, à la faveur d'une grande sensibilité, il a compris la corrélation intime entre la poésie et l'univers. Et pour qu'elle fût pure, conçut le dessein de la sortir du rêve et du hasard. Parce que souvent, on associe la poésie à la rêverie un petit peu informelle et hasardeuse, mais pas du tout. La poésie, c'est quelque chose également, l'écriture poétique, c'est quelque chose d'extrêmement structuré. Et là encore, il y a une belle analogie entre la création purement poétique, d'ailleurs la création artistique en général, je dirais, et l'élaboration d'une création scientifique. On fait appel, certes, à l'imaginaire et à l'imagination, mais on y met une structure pour faire émerger quelque chose qui a du sens. Et donc voilà, donc Mallarmé, il juxtapose juste l'écriture poétique à la conception de l'univers. Bien, alors la beauté du cosmos, ça peut se traduire simplement par des images. Hein. On peut dire que l'univers est beau. L'univers est beau lorsqu'on le regarde au télescope, qu'on prend ces splendides photographies. Et vous avez tous vu des images comme ça. On les trouve aujourd'hui par centaines et par milliers sur le web. C'est la beauté. On ne peut pas difficilement ne pas être touché simplement par la beauté de ces paysages cosmiques. Mais ça, c'est une beauté. Elle est là, mais elle est relativement superficielle. C'est encore plus beau lorsque l'on sait ce qu'il y a derrière et ce que ça représente. Une autre forme de beauté, je reviens un petit peu sur ma page d'équation, c'est la beauté purement théorique, c'est la beauté des grandes théories de la physique qui nous permettent justement de comprendre comment fonctionnent les étoiles, pourquoi il y a des trous noirs dans l'univers, et ainsi de suite, pourquoi il y a des particules élémentaires. Donc, voilà, deux autres formes de beauté, ce sont les deux grandes théories du début du XXe siècle qui ont révolutionné la physique classique traditionnelle, qui était déjà en elle-même très très bien formulée, celle de Galilée et de Newton, mais on a fait encore plus beau d'une certaine manière, c'est-à-dire encore plus efficace et de façon encore plus économe, plus économique, avec une théorie de la gravitation, qui est la théorie de la relativité générale, et puis la physique quantique, qui est plutôt la théorie donc, de ce qu'on appelle l'infiniment petit traditionnellement, même si ce n'est pas infiniment petit, c'est très petit, donc les atomes, les particules, les élémentaires, les interactions fondamentales. Voilà l'économie de moyens extraordinaires dont je vous parlais. Vous avez les équations d'Einstein ici en bas. Donc décidément, j'appuie pas sur le bon bouton. Excusez-moi. Voilà. Vous avez les équations donc de la relativité en bas. Les équations du champ d'Einstein. Je vais y arriver, hein, à faire marcher ma flèche. Voilà.
elle est là. Voilà. Vous voyez comme c'est économique. Hein. Bon, évidemment, on a choisi les symboles qui rassemblent le maximum d'informations dans des objets géométriques qu'on appelle des tenseurs. Après, évidemment, quand il s'agit de développer les équations, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais on peut leur donner justement cette forme extrêmement compacte. Et puis parfois, pour la mécanique quantique, ça, c'est, vous avez reconnu évidemment l'équation de Schrödinger parmi d'autres équations. C'est aussi une forme de beauté. Qui peut vous toucher ou pas, cela dépend voilà, de votre appétence ou pas pour ce genre de choses, mais nous, les physiciens et les théoriciens, nous sommes extrêmement touchés par ces formes de beauté. Alors, quelques mots, alors, bon, notamment, venons-en à mon parcours d'abord de scientifique, avant, après, de parler de mon parcours dans le monde des lettres et des arts. Donc, je me suis rapidement passionné dans mon adolescence pour la théorie de la relativité générale, que je vais résumer de façon extrêmement simple. La théorie de la relativité générale est une théorie de la gravitation qui nous dit que, contrairement à la force d'attraction newtonienne, la gravitation, c'est une manifestation purement géométrique due à la déformation et la courbure de l'espace-temps lorsque vous avez des objets. Donc ici, c'est une image métaphorique, forcément, parce que vous avez une sorte de tissu élastique réduit à deux dimensions, alors que nous sommes dans un espace-temps à quatre dimensions. Je ne peux pas donc vous le représenter, évidemment, sur un écran. Et métaphoriquement, vous voyez que vous avez ici un corps qui est relativement peu massif. Par exemple, c'est le système solaire. Voilà. Une région de faible gravité. Les effets de relativité, les effets de courbure sont faibles. Et en fait, on peut se contenter de la bonne approximation que représente encore la théorie de la gravitation universelle de Newton. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsque on fait des missions spatiales dans le système solaire extraordinairement spectaculaire, où avec les lois de la mécanique céleste, on est capable de mettre en orbite 10 années à l'avance avec des trajets, des parcours très compliqués, utilisant des tremplins gravitationnels, on met en orbite autour d'un noyau de comète, par exemple, une sonde spatiale. Je fais allusion à la mission Rosetta. On utilise l'équation de Newton, on n'a pas besoin de la relativité générale. Mais on sait, et on l'a appris au XXe siècle, qu'il existe par exemple des corps beaucoup plus denses, beaucoup plus massifs, qui sont par exemple les résidus de l'évolution stellaire, que l'on appelle des naines blanches, ou des pulsars, des étoiles à neutrons. Ce sont des régions où la gravité est beaucoup plus forte. Et là, on ne peut plus faire l'impasse de cette description plus profonde de la gravitation, qui est celle donc décrite par les équations d'Einstein. Et justement, la partie peut-être sans doute la plus fascinante de tout cela, c'est qu'on peut avoir, ça c'est la théorie le prédit, avant qu'après les télescopes puissent éventuellement le vérifier, la théorie prédit que dans des zones d'extrêmement forte de gravité, eh bien, au lieu d'avoir un creux, une petite déformation, eh bien, vous avez carrément un puits qui est creusé. Et vous avez reconnu là, effectivement, la définition un peu métaphorique, je répète, du trou noir, qui va être en fait un puits de gravitation, c'est-à-dire une zone de l'espace-temps, qui va être représenté donc par l'intérieur de ce puits, dans lequel, effectivement, tout va être attiré, y compris les rayons lumineux qui tissent la trame de la forme de l'espace. Les rayons lumineux sont attirés au fond du puits, et évidemment, les particules élémentaires, les fusées, les astéroïdes, les étoiles, et tout ce que vous voyez. Ce qui est fascinant donc avec les trous noirs ici, c'est que cette fois-ci, ils n'ont plus une surface solide. Le trou noir, ce n'est pas ce qu'il y a au fond, ce n'est pas une sorte de singularité gravitationnelle qui serait au fond. Le trou noir, c'est l'intérieur de toute une zone délimitée par une frontière de non-retour. Voilà. Et cette frontière, cette zone de non-retour, qui est immatérielle, hein, je répète, hein, le bord du puits, on l'appelle horizon des événements, event horizon en anglais. Ça porte bien son nom, ça veut dire que tous les points de l'espace-temps, c'est-à-dire les événements qui sont dans le puits de gravitation, eh bien, pour tout observateur à l'extérieur, sont cachés, on ne les voit pas, donc ils sont derrière un horizon. D'où le terme donc event horizon, je reviendrai sur ce terme-là. Dans quelques minutes. Donc voilà un petit peu là cette idée assez fascinante de trou noir, qui, présentée comme ça, est une idée purement théorique. Maintenant, il faut dire, alors est-ce qu'il y a des mécanismes réellement dans l'univers qui sont capables de créer de tels puits de gravitation ? Voilà. Alors bon, évidemment, je ne vais pas vous parler de l'évolution stellaire de toute une théorie. Je rappellerai juste que les théories, notamment de l'évolution stellaire et surtout celles qu'on appelle de l'effondrement gravitationnel, nous disent que dans certaines conditions, vous pouvez avoir des effondrements gravitationnels, c'est-à-dire des compressions gravitationnelles de certaines masses,
telle que la matière ne peut pas résister à cet effondrement. Aussi rigide et dure soit-elle, elle était forcément écrasée par cette compression gravitationnelle énorme pour donner naissance donc à des trous noirs. Donc il y a des trous noirs de type stellaire, c'est-à-dire ce sont les étoiles les plus massives dont à la fin de leur vie de lumière, le cœur s'effondre, il est suffisamment massif pour provoquer ces trous noirs. Et puis, comme on va le voir, il y a des trous noirs gigantesques au centre des galaxies qui font des millions de fois, voire des milliards de fois, la masse des trous noirs ordinaires qui seraient les trous noirs stellaires. Mais quoi qu'il en soit, tous ces trous noirs sont décrits de façon extraordinairement élégante par une poignée d'équations. Ça, ce qui est extraordinaire avec les trous noirs, c'est que ça semble a priori des objets extrêmement compliqués, parce qu'on va pousser les équations de la relativité générale jusqu'au bout, et on s'aperçoit que finalement, que si on veut décrire entièrement un trou noir, toutes les propriétés d'un trou noir, ben, on a juste deux solutions, des équations qui marchent très bien. Il y a une solution qui s'appelle la solution de Schwarzschild, qui décrit exactement la façon dont fonctionne un trou noir statique, qui ne tourne pas, qui est parfaitement sphérique, qui n'est pas en rotation. Et on a une deuxième solution qui s'appelle la solution de Kerr, qui décrit le trou noir le plus général, qui tourne. Voilà. Et donc, avec deux équations finalement relativement simples, on a une description mathématique quasi globale des trous noirs. Alors, maintenant, à quoi ça ressemble, le trou noir? Ben, par construction, c'est un objet totalement invisible s'il est nu. Mais voilà, le trou noir va être entouré de matière, forcément. Il peut y avoir du gaz, il peut y avoir des étoiles. Alors on trouve, je sais que le trou noir est l'un des sujets les plus populaires de la vulgarisation scientifique, on ne peut pas ouvrir de revue de vulgarisation scientifique sans voir des représentations de trous noirs de ce type-là. On appelle ça des vues d'artistes. Bien, alors c'est peut-être séduisant, des grosses boules noires qui flottent au milieu de tourbillons gazeux, etc., mais c'est totalement faux. Voilà. Alors ça peut faire rêver, ça peut attirer des jeunes sur le sujet, etc. C'est totalement faux. Alors très brièvement, non, je reviens à mon histoire donc de jeune chercheur. À cette époque, c'était à la fin des années 70, je venais de finir mes études de mathématiques pures à Marseille puis à Montpellier. Et puis j'avais commencé à lire des choses sur la relativité générale et j'ai eu la chance d'être accueilli dans le laboratoire de l'Observatoire de Paris-Meudon où on traitait précisément ces problèmes de relativité générale. Mais on parlait de trous noirs, mais on en parlait encore de façon purement théorique parce qu'on n'avait pas encore vraiment d'instruments et de télescopes capables de donner des indices même que ça pouvait exister. Alors justement, baignant dans cet environnement d'astronome plutôt sceptique, je me suis dit, mais tiens, ce serait intéressant de faire une vraie simulation numérique. Je vais utiliser les équations de la relativité générale pour calculer à quoi ressemblerait vraiment un trou noir entouré de quelque chose. Alors de quoi? Eh bien, d'une configuration astrophysique plausible qui s'appelle un disque d'accrétion, c'est-à-dire un disque de gaz chaud. Vous connaissez, par exemple, certaines planètes comme Saturne sont entourées d'anneaux. Bon, ce n'est pas du gaz, c'est des petits cailloux. Mais un trou noir peut être entouré également de quelque chose de plat. Mais cette fois-ci, c'est du gaz, et du gaz qui est chauffé et qui va émettre un rayonnement. Donc, on va se dire, finalement, ce n'est pas le trou noir que l'on va voir, mais c'est le rayonnement du disque de gaz qui tourne autour du trou noir et qui, progressivement, va tomber dans le trou noir. Et il va rayonner d'une certaine manière qui va être une signature indirecte du trou noir. Tout ça, ça se met en équation. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à faire en 1978, donc il y a 41 ans. Donc, j'ai créé des équations de propagation des rayons lumineux dans l'espace-temps d'un trou noir. Puis, j'ai pris en compte toutes les propriétés physiques que l'on pensait à l'époque, c'est-à-dire c'était des modèles théoriques, des propriétés d'un disque d'accrétion autour d'un trou noir. Et pour aboutir à cette image, qui a été donc la première image d'une simulation numérique, mais en tenant compte réellement de tous les paramètres physiques d'un trou noir, qui a été publié donc il y a tout juste 40 ans, donc l'image d'un trou noir. Alors, le trou noir, il est là, c'est l'œil noir qui est au centre. Le disque d'accrétion, le disque de gaz, il est là. Alors, ne vous étonnez pas de cette forme, ça ne ressemble pas du tout aux anneaux de Saturne, précisément à cause de la distorsion des rayons lumineux. Vous voyez qu'on voit la totalité du disque, il n'y a pas de partie cachée. Et pourtant, l'angle de vue, il est très faible. On est à peine situé au-dessus du plan du disque. Donc, normalement, il devrait y avoir une partie du disque, des anneaux, parce que ce sont des anneaux circulaires, en fait, que vous voyez là. Mais ça ne ressemble pas du tout ni à des cercles, ni à des ellipses, à cause, justement, de la distorsion provoquée par le trou noir. Donc, toute la partie arrière reste visible. Et vous voyez même ici un petit halo qui entoure le trou noir lui-même. Ça, c'est ça réellement l'horizon des événements.
Et ce petit halo de lumière, c'est carrément l'autre côté du disque de gaz que l'on voit, parce que les rayons lumineux sont tellement déviés et déformés qu'ils nous donnent également une image de l'autre côté. Et une deuxième caractéristique, au-delà de ces effets qu'on appelle donc des effets de lentille gravitationnelle, il y a un deuxième effet essentiel, pardon, décidément j'appuie pas sur les bonnes touches, c'est cette asymétrie extrême du flux lumineux. C'est beaucoup plus brillant ici que là. Pourquoi ? Eh bien parce que le disque de gaz est en rotation très rapide autour du trou noir. Il y a un effet de la physique qui est très connu, qui s'appelle l'effet Doppler, qui vous dit que lorsque vous avez une source de lumière qui se rapproche de vous, donc de l'observateur, eh bien, la luminosité que vous en recevez est amplifiée. Et donc, comme autour d'un trou noir, les vitesses sont relativistes, c'est-à-dire proches de la vitesse de la lumière, cet effet est énorme. Ce qui fait que donc, on voit essentiellement la partie la plus brillante, c'est la partie du disque de gaz qui se rapproche de l'observateur, parce que donc, ça tourne dans ce sens-là. Bien. Voilà. Alors, cette image-là, également, pour juste clore cette anecdote un petit peu personnelle, elle vous paraît bizarre, ça ne ressemble pas du tout aux images modernes que l'on voit, très sophistiquées, parce qu'à cette époque-là, nous n'avions pas de logiciel de visualisation. Il y avait un gros ordinateur à l'Observatoire de Paris, on faisait des programmes avec des cartes perforées, il n'y avait pas de système de visualisation, mais j'avais donc des tableaux de chiffres qui me disaient que sur ma plaque photographique virtuelle, je devais avoir en tel endroit... Oh, décidément. Voilà. En tel endroit de ma plaque, je devais avoir telle intensité lumineuse. Et je me suis dit, ben tiens, je vais mettre un nombre de points proportionnels à l'intensité lumineuse, mais comment les mettre ? Ben à la main, tout simplement, parce que je n'avais pas d'autre moyen. Alors, je n'ai pas mis du blanc sur du fond noir. J'ai pris d'abord une grande feuille de papier transparent et j'ai, comme à l'époque... Vous le verrez tout à l'heure si j'ai le temps d'en parler. Je faisais beaucoup de lithographie et de dessin à l'encre de Chine. Je maîtrisais bien la technique de l'encre de Chine. J'ai tassé à peu près 10 000 points noirs sur ma feuille de papier transparent. Je l'ai porté au labo du CNRS qui a pris le négatif du négatif. C'est devenu le positif. Et on a donc cette image. Voilà, cette image. Alors, bon, poésie, quelques années plus tard, à travers les lectures politiques, je redécouvre ce texte de Gérard de Nerval, 1854, une époque évidemment où on parle déjà de soleil noir, mais c'est plutôt le soleil noir de la mélancolie, ce n'est pas du tout le soleil noir de l'astrophysique, et pourtant, et c'est ça qui est extraordinaire, l'intuition du poète, en cherchant l'œil de... On ne peut pas trouver de meilleure légende à cette image que j'avais calculée. En cherchant l'œil de Dieu, je n'ai vu que d'orbite, vaste noir et sans fond, où la nuit qu'il habite rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Et puis après, on dirait qu'on a une description incroyable. Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre, seuil de l'ancien chaos dont le néant est l'ombre, spirale engloutissant les mondes et les jours. Parce qu'en plus, le disque d'Acassian, c'est une véritable spirale entrante qui finalement finit par engloutir les mondes, c'est-à-dire la matière, les astres, les étoiles, le gaz et les jours, parce que le temps disparaît également. Voilà. Donc, bon, on va dire que voilà, c'est simplement l'intuition poétique. Bon, alors il faut que j'avance sur cette histoire de trou noir, puisque donc à cette époque-là, j'avais pris beaucoup de plaisir à ça, puis après, je suis rapidement passé à d'autres travaux, donc je vais dire quelques mots également, les crêpes stellaires, l'univers chiffonné, et ainsi de suite. Donc, cette image, elle a été relativement oubliée pendant quelques années, parce qu'il a fallu attendre beaucoup d'années pour que d'autres chercheurs s'intéressent à ça, avec des moyens informatiques beaucoup plus sophistiqués. Et il se trouve que déjà une trentaine d'années plus tard, je ne travaillais plus du tout sur ce sujet-là, on a commencé à se dire, mais est-ce qu'il y aurait un jour la possibilité d'avoir une résolution suffisante pour voir ce genre de choses ? C'est-à-dire, il faudrait un télescope absolument gigantesque pour voir ce genre de choses, ou alors, en science-fiction, vous prenez un vaisseau spatial, vous partez dans l'espace, comme dans les films interstellaires ou autres, vous passez près d'un trou noir et éventuellement, vous en prenez la photo en restant quand même à distance. Franchement, moi, il y a 40 ans, je n'imaginais pas que de mon vivant, on puisse parvenir à... c'est une réalisation technologique de cet ordre-là. Alors, ce qui est, c'est parce que les trous noirs, normalement, la plupart des trous noirs, ils sont petits, ils sont minuscules. Un trou noir stellaire qui a 10 fois la masse du Soleil, il fait à peine 30 km de taille. Vous le mettez à 6000 années-lumière, c'est impossible, évidemment, de voir quoi que ce soit. Et puis, on a commencé à découvrir, dans les années 90,
Donc déjà après que j'avais fait ce calcul-là, on a commencé à découvrir qu'au centre des galaxies, il y avait des trous noirs gigantesques cette fois-ci. La taille d'un trou noir est proportionnelle à sa masse. Donc si un trou noir de 10 masses solaires, il fait à peine 30 km, ben, un trou noir 1 million de fois plus massif, ben, il est 1 million de fois plus grand, et ainsi de suite. Donc vous commencez à avoir des trous noirs de taille intrinsèque gigantesque. À commencer par le centre de notre galaxie. Ça, c'est une reconstitution de ce que l'on pense être notre galaxie. On se pose la question depuis longtemps, qu'est-ce qu'il y a exactement au centre de notre galaxie ? Et on fait des observations depuis plus de 30 ans de mouvements d'étoiles autour du centre de la galaxie. Et en analysant ces mouvements d'étoiles sur une période de 30 ans, on en déduit que la masse d'un objet invisible qui ne peut être probablement qu'un trou noir, pour expliquer les vitesses anormalement élevées, qu'il y a donc un trou noir au centre de la galaxie dont la masse serait de 4 millions de fois la masse du Soleil. On l'appelle Sagittarius A étoile. C'est le nom technique de ce trou noir. 4 millions de fois la masse du Soleil, ça fait 25 millions de kilomètres. Ça commence à faire pas mal, 25 millions de kilomètres. Simplement, le centre galactique, il est extrêmement loin. Il est à presque 30 000 années-lumière. Donc, grosso modo, même si ce trou noir-là de 25 millions, ce disque noir découperait sur le ciel, un disque noir, mais à cette distance-là, ça équivaut à peu près à la taille d'une pièce de monnaie posée sur la Lune. Ou alors la taille d'une graine de moutarde que vous mettriez à Chicago, par exemple, vu d'ici. C'est un peu difficile à voir. Voilà. Mais sauf que les progrès de la radioastronomie ont fait que ce fantastique projet s'est développé, c'est-à-dire l'Event Horizon Telescope. En radioastronomie, on peut faire fonctionner des radiotélescopes répartis sur toute la planète, ici de l'Antarctique aux îles Hawaï, en passant par le Chili, etc., pour faire un radiotélescope unique qui aurait la taille de la planète et donc qui va acquérir une finesse de vue incroyable. Et grâce à cet Event Horizon Telescope, eh bien, on a pu enfin faire des observations des deux plus gros trous noirs géants, les plus proches de nous, celui qui est au centre de notre galaxie, et un autre trou noir qui est beaucoup plus loin, mais qui est beaucoup plus gros, donc en fait en taille c'est à peu près pareil, il s'appelle Messier 87. Donc la grande annonce, c'est que donc, les observations ont été faites il y a tout juste 2 ans, en avril 2017. Il a fallu 2 ans de traitement de données pour arriver à montrer une image, que je ne vais pas vous montrer, elle est sous embargo. Voilà, elle va être montrée donc mercredi prochain dans une conférence de presse qui sera répartie un petit peu partout. Mais évidemment, il y avait les simulations numériques. Hein. Moi, il y avait la première que j'avais faite, puis après tous les chercheurs embarqués dans le projet avaient calculé des images. On s'attendait à avoir ce genre de choses, c'est-à-dire un croissant. C'est quoi le croissant ? C'est la partie lumineuse du disque de gaz qui s'approche de nous. Donc ça, c'est des simulations qui ont été faites avec des ordinateurs extrêmement sophistiqués en 2016. Si je reviens par exemple à mon article de 1979 dans une partie un peu plus technique, j'avais calculé les régions où le flux était maximum, mais si je ne retiens que la région la plus brillante, que je masque le reste, ben j'ai bel et bien le croissant. Voilà. Donc sans vouloir dévoiler donc l'image qui sera mercredi, je peux vous dire que elle va ressembler beaucoup à l'une de ces images là qui voilà, qui sont des simulations, qui sont les premières simulations, les secondes simulations numériques qui ont été faites 10 ans après les miennes par un de mes collaborateurs, Jean-Alain Marc, qui malheureusement a disparu prématurément. Première simulation en couleur, mais avec des différents angles de vue. Parce qu'évidemment, la vision du trou noir va dépendre considérablement de l'angle de vue, selon que vous êtes plutôt dans le plan orbital ou si vous êtes au perpendiculaire, évidemment, les choses. Par exemple, si vous êtes, par exemple, quasiment perpendiculaire au disque de gaz, eh bien, l'effet Doppler va disparaître pour des raisons de symétrie. En revanche, si vous êtes très incliné, eh bien, vous retrouvez un petit peu l'image que j'avais calculée, à 10 degrés. Voilà. Et donc, je peux vous dire que bon, l'image va ressembler à quelque chose comme ça. Alors ben, on voit bien. Alors peut-être pas aussi fine, hein, c'est-à-dire on ne verra pas l'image secondaire que vous voyez. Ça c'est l'image première du disque de gaz, puis ça le petit halo qui entoure hein, le halo à la Gérard de Nerval, hein, cet arc-en-ciel étrange qui entoure ce puits sombre. Pour l'instant, le Event Horizon Telescope ne peut pas voir ce petit halo. Voilà. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Donc, des nouvelles quand même très, 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 très étonnantes et très, très excitantes et qui revêtent aussi une forme de poésie quand on regarde ces images-là.
Lorsque, une fois que j'ai calculé ces images, c'était un petit travail qui m'a pris simplement quelques mois. Voilà. Après, je suis passé à autre chose, mais toujours à m'intéresser aux trous noirs. Alors, c'est là où le rôle de la métaphore, j'aime bien utiliser des mots métaphoriques pour décrire des processus physiques compliqués. Donc, j'ai travaillé sur un processus qui, à l'époque non plus, n'était pas du tout observable, mais qui était physiquement possible. C'était la destruction d'une étoile qui va passer près d'un trou noir. Donc on met ça à nouveau en équation, on définit qu'autour d'un trou noir géant au centre d'une galaxie, par exemple, on a une zone qu'on appelle le rayon de marée dans laquelle l'espace est tellement déformé par les forces de gravitation gigantesques que tout objet qui pénètre va être déformé. Et donc si une étoile passe dans cette région-là, elle va être étirée, écrasée dans certaines directions, aplatie dans d'autres, simplement parce que c'est l'espace qui contient l'étoile, qui est étirée et déformée. Donc j'avais mis ça en équation et j'avais donc calculé avec mes collaborateurs de l'époque, comme notamment Brandon Carter et quelques autres, que pendant quelques heures de traversée, alors en fait j'avais une animation, mais malheureusement elle ne fonctionne pas sur l'ordinateur, mais ce n'est pas grave, l'étoile est essentiellement en quelques heures aplatie dans le plan de son orbite. Aplatie, 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 ça devient une crêpe. Un peu allongée, hein, certes, mais une crêpe gazeuse, évidemment, elle n'est pas très comestible. Et puis, à mesure que c'est aplati, ça ne peut pas être indéfiniment aplati à un moment où la pression de l'étoile monte tellement que ça finit par réagir, la température monte, vous avez des réactions thermonucléaires qui se déclenchent, vous avez une bombe et vous avez donc une flambée de rayonnement extraordinaire qui va sortir donc, de la destruction de cette étoile par les forces de marée gigantesques du trou noir. Et donc, au-delà des articles technique que nous avions publié, le premier dans Nature d'ailleurs, j'avais appelé ça les crêpes stellaires flambées. Voilà. Parce que je suis aussi gastronome hein, d'ailleurs. Voilà. Bon, même si elles n'étaient pas très comestibles. Voilà. Alors là, j'ai eu le grand plaisir de voir ce genre de modèle théorique confirmé assez rapidement par les progrès de l'instrumentation astronomique. On a embarqué des télescopes dans l'espace et on a commencé effectivement à voir des flambées de rayonnement issues de centres de galaxies très lointains dans lesquels on soupçonne qu'il y a des trous noirs géants et qui sont en train de briser des étoiles. Et aujourd'hui, donc, c'est une chose commune que d'observer des crêpes stellaires flambées. Après, c'est une métaphore pour la vulgarisation. Mais évidemment, dans mes articles techniques, on n'utilisait pas ce terme, encore que dans le premier article que nous avons publié avec Brandon Carter dans la revue très sérieuse revue Nature, on avait utilisé, on n'avait pas utilisé en flambée, mais on avait quand même utilisé le terme de pancake. Alors, on avait parlé des pancake stars, tout de même. Hein. Voilà. Bien. Alors, l'une autre de mes passions scientifiques, enfin parmi les nombreuses, hein, c'est aussi la cosmologie, donc trou noir cosmologie. Bien, la cosmologie, ce sont bon, les fameux modèles de Big Bang, issus donc de cette constatation que notre univers est en expansion, et à partir du moment où on remonte dans le passé de l'univers, ben, on va aboutir à l'idée que ça a dû commencer d'une certaine manière, dans une configuration très particulière, donc le Big Bang extrêmement chaud, extrêmement dense. Donc, il y a des milliers de travaux sur ces choses-là. L'une de mes contributions à ces travaux-là, c'est en fait de m'intéresser à la forme de l'espace. Parce qu'en fait, déjà avec les trous noirs, c'était ça. Moi, je m'intéressais aux distorsions, aux illusions d'optique créées justement par la courbure de l'espace qui va dévier les rayons lumineux. Et je me suis dit, est-ce que finalement l'univers lui-même ne pourrait-il avoir une forme un peu biscornue, mais permise, pas par n'importe quoi, hein, permise par des développements mathématiques qu'on appelle la topologie, c'est une branche de la géométrie qui s'est beaucoup développée au XXe siècle et qui permet d'imaginer des formes, d'imaginer, pas simplement les imaginer, hein, de mettre en équation des formes d'espace, l'espace à trois dimensions par exemple, est-ce qu'il est fini ou est-ce qu'il est infini? Mais au-delà de ça, que l'espace soit fini ou infini, il peut revêtir des quantités de formes différentes. Il y a plusieurs formes possibles pour des espaces infinis. Il y a un nombre infini de formes pour des espaces finis, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, j'ai importé dans les modèles de la cosmologie et les modèles de Big Bang des connaissances topologiques, parce que j'étais issu du monde des mathématiques. Alors, la plupart des cosmologistes de l'époque ne connaissaient pas ces travaux-là. Je me suis associé notamment avec l'un des plus grands mathématiciens du monde américain qui était spécialiste de ça, pour proposer différents modèles d'univers à des formes bizarres. Alors, le vrai terme, c'est topologie multiconnexe. Bon, avec ça, vous ne faites pas passionner les foules avec ce terme-là. Donc, j'ai fini par utiliser le terme d'univers chiffonné. Voilà. Alors, là aussi, c'est une métaphore. C'est que l'idée, c'était que si vous prenez un univers normal qui n'est pas, voilà, qui n'a pas de topologie très compliquée, un petit peu à deux dimensions, comme une feuille de papier, bon, il ne se passe pas grand-chose sur la feuille de papier.
papier, vous avez entre deux points de la feuille de papier, vous avez un rayon lumineux, et puis vous voyez un objet, un exemplaire unique. Et puis la topologie vous dit que vous allez faire des univers fermés, finis sur eux-mêmes, mais vous allez supprimer les bords et vous pouvez faire des formes très compliquées jusqu'à chiffonner votre feuille. Et lorsque vous avez chiffonné votre feuille de papier, entre deux points de la feuille, vous avez plein de parcours différents de rayons lumineux et vous avez créé une illusion d'optique extraordinaire qui va démultiplier les images des sources célestes. Et donc, on a fait un nouveau, pendant 10 ans, avec mes collaborateurs, on a publié une série de papiers mathématiques. D'ailleurs, la toute première, la deuxième image que je vous ai montrée, là, hein, je vous ai montré des formules, c'était l'un de ces articles-là sur des travaux techniques et mathématiques sur les propriétés des univers chiffonnés. Et là, on a eu effectivement également, bon, il y a une animation qui ne marche pas non plus, c'est en 2003, à la suite d'observations faite par un satellite de la NASA de ce qu'on appelle le rayonnement fossile, il y avait quelques indications, il y avait des anomalies que l'on ne comprenait pas bien à l'époque, et on a fait une proposition avec mes collègues qui a fait la une de la revue Nature à l'époque, c'était donc en 2003, où on a proposé une forme particulière pour l'univers qu'on appelle l'espace sphérique dodécaédrique de Poincaré. Donc, espace chiffonné, si vous voulez, chiffonné d'une certaine manière. Et à partir de là, donc, effectivement, ça a engendré tout un intérêt pour ce genre de travaux. Et des dizaines de personnes se sont mises à travailler sur différents modèles d'univers chiffonné. Et la question reste encore ouverte. Quelle est vraiment la forme de notre espace réel? Est-ce qu'il est si grand que ça? Est-ce qu'il est fini? Est-ce qu'il est infini? J'étais donc heureux de contribuer un petit peu au démarrage de tous ces travaux. Et pour finir sur mon parcours scientifique, maintenant je m'intéresse, ici vous avez ce que l'on appelle le modèle standard du Big Bang, qui vous raconte de façon très très succincte l'évolution de l'univers à partir de cette chose encore mystérieuse qui serait le Big Bang, qui n'est évidemment pas un point infinitésimal. Ça veut dire qu'il faut injecter de la physique quantique pour essayer de comprendre cela. Et donc à partir de là, aujourd'hui on fait des observations, on remonte dans le passé de l'univers et on accède à des propriétés de l'univers toujours plus étranges, et à mesure qu'on entend vers le point d'interrogation, on va vers un univers qui va être entièrement gouverné par des effets de physique quantique en s'approchant de cette chose physiquement impossible qu'on appelle une singularité où tout deviendrait infini. Et comme c'est une absurdité physique, l'univers ne peut pas être un point avec une courbure infinie, densité infinie, température infinie, ça veut dire qu'il faut rajouter des ingrédients venant de la physique quantique. Alors on est bien placé à Lausanne parce qu'on n'est pas très loin du CERN, où on fait quoi ? Au laboratoire, on fait des expériences de physique des très hautes énergies en accélérant des particules à des vitesses très proches de la vitesse de la lumière. On les fait rentrer en collision. On crée dans ces collisions des conditions d'énergie, de température, etc., que seul l'univers très primordial a produit de façon naturelle. Nous, on le fait artificiellement. Et donc, du coup, on peut tester, en plus des modèles de physique fondamentale, des physiques d'interaction fondamentale, on peut tester des modèles d'univers très, très primordial. Donc là, vous aurez reconnu Higgs et Engler, qui étaient deux des trois théoriciens qui avaient calculé ça 40 ans également auparavant, qui avaient calculé l'existence donc, de ce qu'on appelle donc, le boson de Higgs-Engler, qui aurait été donc, une particule instable, qui aurait joué un rôle absolument majeur au tout début de l'univers. Mais lorsqu'on veut aller au-delà, la question maintenant c'est au-delà. Quand on veut remonter plus loin, eh bien on est inéluctablement amené à reconsidérer ces deux piliers de la théorie que sont la relativité générale et la physique quantique, qui fonctionnent enfin dans des cadres totalement différents. Alors cette fois-ci, je vous ai plus mis les portraits d'Einstein ou de Bohr, Heisenberg. Je vous ai mis deux tableaux. Métaphoriquement, d'une certaine façon, on peut représenter la relativité générale avec un espace de fond qui est continu, mais lisse, mais déformé. Donc, c'est les fameuses montres molles de Dali, qui sont une sorte de métaphore. Et puis, vous voyez également apparaître dans ce tableau de Salvador Dali des structures type dodécaédrique qui peuvent jouer effectivement un rôle en cosmologie. Là, l'analogie métaphorique de la physique quantique, c'est plutôt le flou, donc c'est le pointillisme, c'est un fameux tableau de Seurat, où en fait, c'est en plissant les yeux que vous, finalement, vous verrez mieux les choses. Donc en fait, voilà, c'est plus une description, c'est une description relativement floue, mais qui en fait, avec le recul, est au moins aussi précise que celle de la relativité générale. Donc de la même façon que vous avez deux
écoles artistiques contemporaines début du 19e siècle, mais radicalement différentes l'une de l'autre, eh bien, vous avez également deux prouesses, deux magnifiques théories contemporaines l'une de l'autre et qui fonctionnent dans des cadres différents. Et le problème, c'est qu'on voudrait les marier ensemble. Et les styles sont incompatibles, donc tout le travail, une grosse partie du travail des physiciens théoriciens, qu'on appelle les travaux en gravité quantique, consiste à essayer de, d'unifier ce genre de choses. Donc je saute ça, parce que j'ai déjà trop parlé, si je voulais parler un petit quand même de poésie et de littérature. Alors cette référence est une référence bien connue à une célèbre gravure de Dürer qui s'appelle La Mélancolie. Vous voyez qu'on est un petit peu à la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance et on voit les éléments de la géométrie, donc cette sorte d'ange, c'est peut-être une métaphore du cosmologiste, de l'astrophysicien, de l'astronome qui réfléchit à la structure du monde avec, il a en main les outils de la géométrie, il a un compas pour mesurer en bas. Oh, décidément, je ne peux plus tout. Voilà. En bas, il a deux sphères, un polyèdre, il y a un instrument de musique, parce que vous savez que dans la tradition pythagoricienne, les échelles musicales étaient censées être liées aux échelles astronomiques. Donc c'est un luth, le nom de mon laboratoire de l'époque. Un carré latin, le symbole de la balance, une comète dans le ciel, parce que une comète était passée du vivant du rare, et ainsi de suite. Bon, on pourrait passer des heures à décoder le tableau, je n'ai évidemment pas le temps. Alors ça, c'est la vision du XVIe siècle. J'ai un de mes collègues, qui est un physicien théoricien, travaillant sur ces théories de gravité quantique, qui s'est amusé dans sa thèse à faire une paraphrase de ce tableau. Alors voilà, donc c'est la Mélancolie 2019, où on a toujours le même ange. Et on remplace par exemple la comète par ce qui est censé être le Big Bang. On va remplacer le carré latin par une classification des particules élémentaires, par exemple les fermions. On va remplacer ce polyèdre biscornu par le dodécaèdre, qui peut être expliqué peut-être la forme de l'univers. On va remplacer la sphère par des structures topologiques plus intéressantes. On va remplacer le chien par le chat, et vous devinerez qu'il s'agisse du chat de Schrödinger, symbole de la mécanique quantique, et ainsi de suite. Et on a remplacé le luth avec le trou du luth par cette représentation du puits gravitationnel creusé par un trou noir, et ainsi de suite. Bon, voilà cette métaphore. J'arrête là mon parcours scientifique. Donc, au-delà de ça, brièvement, donc j'ai écrit pas mal effectivement de livres de culture scientifique sur tous ces sujets qui m'ont passionné. Non seulement les sujets sur lesquels j'ai travaillé, le Big Bang, l'univers chiffonné, les trous noirs, etc., mais également sur d'autres sujets sur lesquels j'ai pas travaillé techniquement, mais j'ai voulu effectivement embrasser un petit peu tous les sujets de l'astronomie à travers des ouvrages, tous destinés au grand public. Certains sont magnifiquement illustrés, comme les deux duos, là, Éclipse et Figure du ciel. Donc voilà, en tout, j'en ai publié à peu près une quinzaine, et j'en ai encore 4 ou 5 sur le feu. Bien. Alors, donc, j'ai la passion pour l'écriture. Vous l'avez compris, et pas seulement l'écriture scientifique. À une certaine époque, également, je commençais à me passionner pour l'histoire des sciences. Alors, je veux dire, quand j'ai commencé à faire de la recherche, j'étais totalement ignorant en histoire des sciences, parce qu'il n'y avait aucun enseignement d'histoire des sciences, etc. Donc, c'est un autodidacte que j'ai commencé à lire un petit peu d'histoire des sciences. J'ai découvert ça en lisant, je faisais un trekking en Islande pendant 3 semaines, là, le soir dans la tente. J'étais tellement fatigué. La seule chose à faire, c'était d'emporter un bouquin, j'avais apporté un livre d'Arthur Koestler qui s'appelle Somnambule. Si vous ne connaissez pas ce livre, précipitez-vous dessus. C'est extraordinaire. Il raconte la façon dont les grands penseurs de Pythagore jusqu'à Galilée, décidément, de Pythagore jusqu'à Galilée, ont fonctionné un petit peu comme des somnambules, c'est-à-dire une sorte de rêve éveillé dans lequel ils ont finalement révolutionné notre vision du monde. Et du coup, ça m'a passionné pour cette histoire des sciences et la façon dont les grands penseurs, les Copernic, les Kepler, les Galilée, les Newton, on connaît les noms, on connaît éventuellement quand on est physicien un petit peu leur œuvre, leurs équations, mais comment ils ont vécu. Et ce qui m'a intéressé, c'est ça. C'est des êtres de chair et de sang qui étaient en plus
dans une société extrêmement compliquée. Ils avaient des idées révolutionnaires sur la science, mais il fallait arriver à les imposer face à toutes les oppositions scientifiques, les oppositions religieuses, philosophiques, politiques, tout un ensemble de choses. Donc c'est ce qui m'a passionné dans cette affaire-là. Et donc j'ai fini, au bout d'une douzaine d'années, de publier donc, toute une série de 7 romans d'histoire des sciences. Donc ce sont des romans, c'est-à-dire ça prend la forme du roman, mais évidemment très très documenté sur le plan de ce qui s'est réellement passé, mais avec évidemment un petit peu d'invention. Voilà. Alors là, je les ai replacés dans, non pas par ordre d'écriture, parce qu'en fait j'avais commencé à écrire. Pardon. J'avais commencé par le dernier là. Le rendez-vous de Vénus qui se passe au siècle des Lumières pour observer des passages de Vénus devant le Soleil pour mesurer pour la première fois la distance Terre-Soleil. Et puis après, j'étais passé au bâton d'Euclide et ainsi de suite. Donc, je les écris dans le désordre, mais si on les replace chronologiquement, on recouvre à peu près l'histoire des sciences occidentales depuis l'Antiquité qui commence avec Euclide à la bibliothèque d'Alexandrie, jusqu'au siècle des Lumières. Évidemment, j'aurais pu continuer plus loin, mais quand même, je me suis arrêté là, en passant par les différentes étapes. Voilà. Alors, ironie de la chose, le deuxième roman que vous voyez là, qui s'appelle L'astronome de Samarcande, qui était le nom authentique donc, d'un prince de Samarcande du XIVe siècle, qui s'appelait Ulugh Beg, donc c'est celui que j'ai publié en dernier, ça fait la transition, en fait, c'est l'astronomie arabo-musulmane qui fait la transition entre l'astronomie grecque et puis la nouvelle astronomie copernicienne. Par le hasard des choses, je dois me rendre à Samarcande, en Ouzbékistan, demain. Et donc je ne serai pas là au moment où les fameuses annonces du trou noir télescopique observé par l'Event Horizon Telescope va être effectivement diffusée mondialement. Je serai perdu au fin fond de l'Ouzbékistan. Mais enfin bon, je ne vais pas me plaindre de ce voyage plutôt agréable que d'aller voir les vestiges de l'observatoire de Ulugh Beg. Poésie. Il est temps quand même. Hein. Donc là, je vous ai dit quelques mots déjà sur ce recueil et j'ai déjà mis ces deux citations. Donc j'ai vraiment une véritable passion pour l'écriture poétique. Alors j'ai peur, mais ça peut-être on en parlera peut-être dans la table ronde, d'avoir déjà beaucoup trop parlé pour parler de mon rapport à l'écriture poétique, comment je la conçois. Ben, pour moi, en tout cas, c'est un état mental et émotionnel radicalement différent. Et c'est ce qui m'intéresse justement dans la multiplication de mes efforts pour comprendre le monde à travers différentes voies d'approche. C'est qu'on est dans des états mentaux et des états émotionnels très différents, mais qui se fertilisent l'un l'autre. Au-delà de mes propos écrits, je citerai très brièvement trois poètes qui font partie de ce qu'on peut appeler les rêveurs d'univers. Alors, Edgar Poe a écrit un texte, c'est de la prose poétique, en 1849, qui s'appelle donc Eureka. Et dans ce texte-là, je n'ai pas le temps de le détailler, il aborde des sujets avec les connaissances de son temps. Puis il avait une vision un petit peu mystico-philosophique, parfois un petit peu bizarre. Mais il met le doigt, grâce à son intuition poétique et son intelligence très profonde, il met le doigt sur des choses que les cosmologistes découvriront plus tard. Par exemple, il résout ce qu'on appelle l'énigme du noir de la nuit. Pourquoi la nuit est noire ? Eh bien, Edgar Poe explique que la nuit est noire parce que, en fait, en regardant loin dans l'espace, on remonte loin dans le passé de l'univers. Et pour lui, l'univers, il a une histoire. L'univers a commencé. C'est-à-dire il anticipe les modèles de Big Bang dont on ne parlait absolument pas à l'époque. Et donc, à partir d'une certaine distance, les étoiles n'ont pas eu le temps de naître dans l'univers et donc ça devient noir. Donc c'est la finitude du temps et non pas la finitude de l'espace qui était la solution que proposait Edgar Poe. Raymond Queneau a écrit un texte extraordinaire qui s'appelle « La petite cosmogonie portative ». Bon, je vous renvoie simplement, si vous avez le temps, d'aller sur mon blog. Sur chacun de ces textes-là, j'écris des billets de blog explicatifs pour décoder ces textes absolument étonnants. Donc Raymond Queneau a mis un petit peu à la manière dont Lucrèce l'avait fait en son temps, mais avec après tout l'humour dont Raymond Queneau était capable, l'ensemble des connaissances scientifiques de son temps dans des vers, avec une invention verbale, c'est un jaillissement verbal constant avec des néologismes, et tout ça d'une profondeur et d'une justesse absolument incroyable. Et puis alors là, plus proche de nous, et c'est un projet en cours, Jacques Reda,
qui est devenu un de mes amis d'ailleurs, qui a écrit donc une série de textes poétiques qui s'appelle La physique amusante, où il met en vers, mais alors vraiment, alors là, il reprend les techniques anciennes, octosyllables, vers rimés, alexandrins, etc., etc. Il met en vers la physique de notre temps, parce que c'est un grand lecteur de livres de vulgarisation scientifique. Il est capable de vous écrire un poème sur les espaces de Calabio. Bon, vous ne savez pas ce que c'est, mais ce sont des espaces à dimension supplémentaire qu'on utilise dans la théorie des cordes. Il m'a dédicacé des poèmes sur l'univers chiffonné, les trous noirs, etc., etc. Et c'est une poésie... alors, c'est une forme de poésie un petit peu didactique, hein, parce qu'effectivement, il s'inspire des travaux des savants pour écrire ses poèmes. Mais c'est aussi une façon tout à fait étonnante d'utiliser la métaphore verbale pour décrire des choses très, 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 très profondes. Alors, dans ma propre production poétique, bon, voilà, un certain nombre de textes poétiques que j'ai publiés au fil des années. Et l'un d'entre eux, donc, qui ne figure pas là, ce sera le prochain, qui s'appelle Indicateur de la ligne du ciel. Voilà. Alors, effectivement, vous ne vous trompez pas, avant mon anthologie de 92, ces textes-là, aile, rythme, griffe, topique, n'avaient strictement rien à voir avec les mots de l'astrophysique. À partir de Noir Soleil, il y a effectivement une allusion, une inversion, soleil noir, trou noir, noir soleil, mais je continue à parler essentiellement des émotions humaines, du cosmos intérieur, et puis à partir d'itinéraire céleste, de la nature des choses, il y a, on trouve une ombre dans le ciel, c'est un peu à part, je préfère ne pas en parler, la nature des choses, itinéraire céleste, il commence à y avoir une forme d'accord et de fertilisation croisée entre certains de mes travaux scientifiques, sur la topologie, par exemple, et puis mon écriture poétique. Alors, qu'est-ce que ça peut être, par exemple, comme influence ? Eh bien, en fait, la topologie, c'est la science des lieux, mais dans laquelle vous pouvez avoir des rapports de voisinage entre des lieux apparemment éloignés. Eh bien, ça a commencé à avoir une influence sur mon écriture poétique elle-même dans la page blanche, si vous voulez. Au lieu d'avoir un poème qui s'écrit de façon linéaire, j'ai fait en sorte d'écrire donc des textes dans lesquels on peut rentrer de plusieurs façons différentes et créant donc de la polysémie, c'est-à-dire une multiplicité de sens dépendant de la façon dont vous allez rentrer dans le poème en tel endroit, pas forcément en commençant par le début et en finissant par la fin. Voilà l'une des influences possibles, des fertilisations croisées entre science et poésie. J'ai eu plaisir également à faire de nombreux livres d'artistes, c'est-à-dire des collaborations avec des artistes. Ça, par exemple, c'est un projet, enfin, c'est pas un projet, c'est un livre qui a été fait il y a plus d'une quinzaine d'années. C'est à l'occasion de l'éclipse totale de 1999, qui était visible, comme vous le savez, donc en Europe. Et j'avais travaillé avec une artiste qui cousait des mots, c'est-à-dire il y avait des textes. Donc, je lui avais demandé d'écrire deux textes sur les éclipses, un texte purement poétique et un texte semi-scientifique. Et les mots étaient en partie cousus, cachés par des fils de laine, et ça se dévoilait à la façon d'un accordéon. Bon, je n'ai pas le temps de vous dire. Voilà, il y a tout un ensemble d'ouvrages comme ça. Ça, c'est un ouvrage qui porte sur la lumière, où je n'écris que des textes sur... Ben, décidément, pardon. Des textes sur la lumière. Voilà. Mais qui ne peut être vu qu'en filigrane, grâce à un tissu, une façon d'imprimer extrêmement spéciale. En fait, la page est totalement blanche, on ne lit rien, et ce que dans une technique d'illumination que l'on peut faire jaillir la lumière du noir, encore des métaphores, évidemment, avec les trous noirs, et Je ne vous l'ai pas dit parce que je parle trop, mais vous savez aujourd'hui qu'en cosmologie, j'ai parlé des trous noirs, j'ai parlé beaucoup du noir, mais vous savez qu'en cosmologie, on pense que plus de 95% de la matière et de l'énergie de l'univers est invisible. Matière noire, énergie sombre. Donc on dirait que le noir envahit, mais le noir sympathique. Hein, c'est le noir qui recèle potentiellement toute la richesse potentielle de l'univers, et à travers les petites épingles lumineuses que sont les étoiles et les 1 000 milliards de galaxies qui ne représentent que quelques pourcents à peine, et bien derrière il y a ce potentiel extraordinaire qui est le noir. Je vous avais dit que je vous parlerais de musique, alors je fais très rapidement. J'ai une immense passion pour la musique. Je dirais peut-être même que c'est ma plus grande de toutes les passions. La passion pour la musique, donc j'ai la chance de la pratiquer, de jouer du piano, etc. Bon, j'ai composé également dans ma jeunesse, mais surtout, j'ai eu la chance de collaborer avec de très grands compositeurs de musique contemporaine sur des projets finalement mêlant mes travaux
et la création contemporaine. Alors notamment cette œuvre qui s'appelle donc Le Noir de l'Étoile, qui a été donc conçue avec Gérard Griset. Donc ça remonte maintenant à 1989-90. C'est une musique qui est écrite pour six percussionnistes, des êtres humains évidemment, qui écrivent une partition, qui jouent une partition rythmiquement extrêmement compliquée, et intervient dans l'œuvre des signaux astronomiques qui viennent d'objets qu'on appelle des pulsars, qui sont en fait des sortes de vestiges compacts d'explosions d'étoiles qui tournent sur eux-mêmes et émettent un faisceau de lumière à la façon d'un phare et qui donnent un signal radio extrêmement périodique. Et donc on a des sortes de tambourineurs célestes naturels que l'on peut capter par des radiotélescopes et que l'on peut faire interagir en live d'une certaine façon, malgré le décalage en général de quelques milliers d'années, le temps que le signal arrive, avec un concert. Et comme ça, on met ensemble le temps des hommes et le temps des astres, qui normalement sont des temps apparemment incommensurables. Donc voilà, donc c'était cette idée. Voilà, et donc dans la collaboration, j'ai notamment un texte de présentation et toute la structure. Et beaucoup plus récemment, c'est-à-dire l'année dernière, avec un autre très très grand compositeur qui s'appelle Hector Parra, donc nous avons conçu une œuvre pour grand orchestre, plus 16 solistes et une électronique, qui représente en fait un voyage dans un trou noir, un voyage métaphorique, un voyage acoustique dans un trou noir, où le compositeur Hector Parra, absolument génial, il faut absolument écouter ça sur YouTube, voilà, a transformé à sa façon, c'est-à-dire un véritable créateur artistique, a interprété tous les phénomènes que l'on pourrait ressentir en s'approchant progressivement d'un trou noir. Et on commence à avoir des distorsions de l'espace-temps, des ondes électromagnétiques transformées en ondes acoustiques, des ondes gravitationnelles. Après, on plonge dans le trou noir avec des distorsions gigantesques et éventuellement, on ressort à travers un trou de verre dans un autre univers à forme dodécaédrique. Et il avait même réussi donc à transposer cette idée dodécaédrique de façon musicale. Voilà. Bon, je vois que j'ai trop largement dépassé ça. Je finirai donc très rapidement, simplement par également quelques activités artistiques que j'ai eues. Parce que je vous dis, pour moi, la poésie, c'est essayer d'avoir un petit peu un ensemble de formes créatrices différentes pour avoir des différents modes de perception de l'univers. Donc, je vous le disais, dans les années 80, j'ai pratiqué beaucoup l'encre de Chine, la lithographie, etc. Donc, j'ai pas trop, c'était moins compliqué pour moi de tracer les 10 000 points de mon image de trou noir que de faire ce genre de schéma qui représente d'une certaine façon métaphorique, là, oui, des trous noirs avec les effets de la physique quantique. Il y a des illusions d'optique, vous ne le rendez pas compte, j'ai pas le temps de vous les expliquer, mais vous avez l'impression que le damier, il est incurvé sous le poids de ça, alors qu'en fait, quand vous regardez bien, tout est parfaitement rectiligne. Voilà, c'est simplement parce que j'ai introduit des points de fuite en dehors de la ligne d'horizon, là où ils ne devraient pas être, et donc en violant un petit peu les lois de la perspective, on crée des illusions d'optique qui donnent cette illusion d'un espace-temps courbé. Et plus récemment, rassurez-vous, je vais finir là-dessus, j'ai fait ce qu'on appelle des cosmosaïques en réfléchissant sur le concept de symétrie. Voilà. Alors la symétrie, c'est quelque chose de fascinant. On a besoin absolument de la symétrie dans les équations de la physique parce que, au premier abord, la symétrie simplifie les choses. Que vous avez des symétries. Alors les poètes comme Edgar Poe disaient que carrément la symétrie c'était le plus sublime des poèmes. Oui d'accord, mais ce qui est encore plus sublime, c'est ce qu'on appelle la brisure de symétrie. C'est-à-dire c'est pas la symétrie exacte, mais juste vous la brisez légèrement et cette brisure de symétrie va donner du mouvement, va donner de la dynamique et ça va donner... Prenez simplement un visage humain. Un très beau visage. S'il est parfaitement symétrique, quelque part, finalement, il va finir par être un petit harmonieux. Les plus beaux visages sont légèrement asymétriques. Bon, voilà. C'est pareil pour la physique. Les brisures de symétrie engendrent la dynamique. J'en veux pour preuve, en cosmologie, on pense qu'aujourd'hui, l'univers d'aujourd'hui, il est issu à partir d'un univers primordial où tout était symétrique, d'une série de brisures de symétrie qui ont fini par engendrer les quatre interactions fondamentales dont nous nous trouvons aujourd'hui. Encore plus... encore plus extraordinaire, c'est une brisure de symétrie de ce qu'on appelle le vide quantique. Le vide quantique est en train aujourd'hui de jouer un rôle absolument primordial dans les théories qu'on essaie d'élaborer sur la gravitation quantique. Et on dit qu'en fait, ce sont ces brisures de symétrie du vide quantique qui engendrent les particules élémentaires, la matière, l'espace, le temps, et puis même des univers tout entiers. C'est l'hypothèse
dites des multivers. Et inspiré par ça, je finirai vraiment là-dessus, inspiré par ça, j'ai essayé de faire une transposition visuelle de ça à travers ces cosmosaïques. Donc, je suis parti de quelques lithographies uniques que j'avais réalisées, et j'ai commencé par agencer sous forme de mosaïque ces lithographies, mais en faisant des rotations, des translations, etc., c'est-à-dire en brisant légèrement la symétrie, et ça provoque des effets visuels étonnants. C'est-à-dire que vous commencez à voir apparaître une forme de dynamique, des lignes de force qui ne sont pas du tout dans la gravure originale. Et le deuxième exemple, c'est celui-là. Et regardez ce que ça donne, ces cosmosaïques. Et si promenez votre regard et vous avez l'impression, vous voyez le tourbillon. Hein, voilà. Alors que tout est parfaitement statique, mais ce sont ces légères brisures de symétrie qui créent du mouvement. Voilà. Bon, j'ai largement dépassé mon temps de parole, je m'excuse, mais on pourra embrayer avec deux amis qui ont accepté de faire une discussion suivante sur cette célèbre citation d'Albert Einstein. C'est ce que nous essayons tous de faire avec les moyens que nous avons, voilà, que l'on soit peintre, que l'on soit poète, que l'on soit philosophe, que l'on soit chercheur scientifique, chacun à notre façon. On essaie de se constituer une image du monde avec chaque langage, effectivement, de chacune de ses spécialités. Et puis, quand on a la chance de pouvoir pratiquer plusieurs de ces langages, on a une vie pleine et riche, et très, très occupée comme l'est la mienne. Je vous remercie. Je vais donner quelques petites remarques. En fait, je n'ai pas immédiatement des questions directes à mon collègue Jean-Pierre Luminet. Je pourrais demander à Madame Grandval de lancer une petite présentation PowerPoint. Ne vous en faites pas, j'en ai pas pour une heure, loin de là. J'aimerais souligner en fait que la poésie n'est pas qu'écriture. Elle est un état d'esprit avant tout, et elle est percevable partout dans la nature, je trouve. Dans la science, les équations dont parlait Jean-Pierre Luminet, il vous a montré cette page d'équations. Et dans un cours d'histoire de la cosmologie que je donne à l'Université de Lausanne, je montre toujours quelques belles pages d'équations. Les équations, par exemple, de Friedmann qui gouvernent l'évolution de notre univers. Je ne vais pas parler de cette première diapositive parce que Jean-Pierre en a parlé tout à l'heure, mais je veux montrer aussi que la musique peut être extrêmement belle visuellement, comme ces fameux signes japonais ou chinois de l'écriture japonaise. Ces équations, ces partitions musicales sont belles par elles-mêmes. Et c'est comme nos écritures, la poésie, il faut connaître les équations pour les comprendre, il faut connaître la musique pour l'entendre, et il faut également connaître l'alphabet pour arriver à comprendre la poésie qui est écrite. Alors, j'ai été invité aujourd'hui par Madame Aurore Grandval, et ce nom est très très beau. Excusez-moi, Madame, je trouve votre nom très très beau. Aurore, ça fait penser évidemment à cette belle image ici que j'ai prise en décembre dernier. Image d'une aurore en dessus de Lausanne, et j'ai immédiatement pensé à la première cantate ou la première œuvre répertoriée par Bach, qui est la cantate Wie schön leuchtet der Morgenstern. Et en fait, on voit Vénus, qui est l'étoile du berger, on voit Vénus, en fait, je vais vous la montrer pour ceux qui vous la voyez ici, c'est en fait une très belle aube. J'aimerais aussi souligner, et je suis très reconnaissant à M. Antonio Rodriguez d'avoir initié ces printemps de la poésie, parce qu'en Suisse, quand j'étais étudiant, il y avait, en tout cas, je n'étais pas au courant de beaucoup d'activités au sujet de la poésie. Et j'aimerais souligner que certains peuples sont beaucoup plus poétiques que d'autres. Il y a énormément en Iran de statues de poètes. Et l'autre jour, j'étais à Buenos Aires, et en me baladant en fin de journée, après une dure journée de labeur, je suis tombé sur l'image suivante, un café qui est intitulé « La poésie ».
Et si vous passez à la... Vous voyez que c'est un bar littéraire, un café des arts et un centre de rencontres. Et je n'ai pas eu le temps d'entrer, je ne parle pas espagnol non plus, mais je trouve très intéressant de voir que des peuples arrivent à intégrer dans la vie de tous les jours la poésie. La poésie qui peut être un bonheur comme une douleur. Et je voudrais rappeler, par exemple, Winterreise de Schubert, qui peut nous amener à des profondeurs dignes des plus grands trous noirs supermassifs. Et j'ai récemment lu un livre extrêmement intéressant par le grand ténor Jan Bostrich, qui montre que la poésie peut également être utilisée à des fins plus ou moins positives. Je vais conclure par une citation que personne ne sous-estime la puissance du Lied allemand comme allié en temps de guerre. Et c'est de Bismarck, Otto von Bismarck, en 1893. Alors c'est peut-être une question que je vais poser maintenant à Jean-Pierre Luminet. Comment vois-tu le côté noir de la poésie ? Oui, il y a... La poésie, une partie de la poésie, pas toute la poésie, une partie de la poésie, je l'ai dit, explore les profondeurs du cosmos humain. Et il y a des lumières, mais il y a aussi des noirceurs, et parfois des noirceurs intolérables. Donc, effectivement, tu as mentionné le voyage d'hiver de Schubert, où on a des lieds accompagnés d'une musique extraordinairement profonde et puissante, et c'est un petit peu la noirceur de la condition humaine. Ne serait-ce pas l'une des fonctions de l'art de parler justement de la condition humaine qui pas toujours noire, heureusement, mais qui l'est. Bon, j'ai pas osé parler dans ma production poétique, il y a un recueil qui s'appelle Un trou énorme dans le ciel, qui représente pour moi le sommet de la noirceur que j'ai malheureusement vécue à travers la perte d'un enfant extraordinairement violente. Donc, d'une certaine façon, ça veut dire que la création artistique, et l'écriture poétique en particulier, mais ça peut être aussi l'écriture musicale, permet parfois de, pas complètement de surmonter, parce que ce genre de choses ne se surmonte jamais, mais voilà, une sorte de catharsis. Voilà. Par exemple, ben Mahler, il a écrit les Kinder Toten Lieder également, des leaders absolument extraordinaires à la suite de la mort de ses enfants. Et il y a plein d'exemples, effectivement, dans l'histoire de la création, où il y a effectivement ce désespoir humain qui se traduit par des œuvres d'art. Alors, pour être moins noir aussi, je suis ravi. Je vais rebondir également sur l'image que tu as montrée de Vénus et Aurore, ce si beau nom d'Aurore, le lever du jour, etc. Et sur le fait que, j'ai déjà beaucoup parlé, mais Antonio, au début, m'a dit, est-ce que vous avez pensé à éventuellement lire un de vos poèmes ? J'ai dit éventuellement, puis finalement, le temps a passé, je ne vais pas le faire. Alors, je vais vous en lire un, rassurez-vous, il est bref, mais il est pertinent par rapport à ce que je vous ai raconté, à ce que Georges vient de vous parler à propos de Vénus et de l'aurore. Vous avez tous plus ou moins en tête le fameux tableau de Vincent Van Gogh qui s'appelle La nuit étoilée, au-dessus de Saint-Rémy de Provence. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est l'aurore. On voit au-dessus des montagnes en fond, on voit le lever du jour. Il y a Vénus qui est au-dessus de l'horizon. On voit encore un croissant de lune. Il y a un cyprès noir dressé vers le ciel pour dire que la destination finale de l'être humain, de toute façon, c'est là-haut. Et vous avez des étoiles qui sont réparties. Et vous avez ce tableau extraordinaire. Vous avez un tourbillon au milieu du ciel. Vous avez des astres à la luminosité exacerbée. Alors, j'ai fait tout un travail astronomique, il y a de nombreuses années, d'une reconstitution. Je suis allé sur les lieux où Van Gogh a peint ce tableau, à Saint-Rémy-de-Provence. C'est pas très loin, c'est dans le sud de la France. J'ai trouvé l'endroit du champ où il a commencé à peindre ce paysage d'abord terrestre, et puis le ciel. Et je me suis aperçu que le ciel qu'il a peint, ce n'était pas le ciel qu'il avait vu ce jour-là, c'était le ciel qu'il a vu dans une autre direction, à un autre endroit. Mais surtout, le ciel qui paraît totalement fou dans le tableau de Van Gogh, c'est un ciel qui est d'une précision extraordinaire dans les positions d'étoiles. Et en reconstituant avec des logiciels astronomiques, j'ai pu trouver le moment, non seulement le jour, mais là, à 5 minutes près, le moment exact où Van Gogh est sorti avec sa toile blanche et a commencé à poser au crayon les positions des étoiles et de la lune dans le ciel.
et c'est d'une fidélité absolument parfaite. Sur ce, j'ai écrit un poème qui est inédit, un poème inédit sur ce tableau de Van Gogh. Alors, si vous l'avez en tête, ce tableau de Van Gogh, bon, voilà, ça vous dira peut-être quelque chose. Rassurez-vous, il est court, hein, voilà. Donc, c'est une description poétique de ce tableau de Van Gogh, qui s'appelle donc « La nuit étoilée » de Vincent Van Gogh. « Il prête au ciel la vitesse vertigineuse, convenance parfaite entre mouvement et essence, part intégrante de l'éternité. Sa mesure roule d'un tournoiement sonore, acier, cristal, saphir, sont les substances des cercles véritables. Les étoiles sont dispersées en ordre comme une poignée de graines, petites et grosses, éparpillées par une main diligente. Sans la faiblesse des yeux, nous verrions d'autres soleils. Lumière partout présente, inquiétude clandestine. Voici donc un monde merveilleusement simple, mais cerné d'inconnus. Ce monde dont le commencement et la fin restent dans une ombre surnaturelle. Blanche traînée de vapeur jetée sans direction dans l'espace, entre elles des déserts où toute lueur se perd. Incessamment, des mondes croulent sans que jamais se vide le ciel. Où sont ces royaumes célébrés? Où les délices des enfants des hommes, petits nids accrochés dans un coin de l'univers, pollen de fleurs, moucherons dans la lumière? Voilà, je pense que je vais prendre le relais, non pas pour parler de votre poème, mais déjà pour vous remercier pour la conférence de tout à l'heure. Remercier aussi le printemps et Antonio en particulier pour l'invitation. Donc, ouais, comme vous avez pu le comprendre, moi je viens plutôt du côté de la science-fiction que vous avez évoqué rapidement dans votre présentation, donc je vais rebondir un peu là-dessus. Mais je vais peut-être commencer, non pas avec des slides, mais juste à préciser quelque chose qui permettra de mieux comprendre ma question. C'est la partie de la métaphore qui m'intéresse le plus, parce que pendant longtemps, la science-fiction a été perçue... Alors déjà, elle n'a pas été perçue, puisqu'elle était plutôt mise de côté, ou elle était perçue par le biais du cinéma, mais comme une manière d'anticiper le futur, de donner des représentations de quelque chose qui semblerait sur le point d'advenir, voire même pire, qui était évalué à l'aune des savoirs scientifiques. Vous évoquiez, quand je suis arrivé tout à l'heure, le film Interstellar, par exemple, où vous avez des espèces de forums de discussion, des gens qui montrent à quel point c'est absurde d'avoir ce trou noir gargantua et qui ne respecte pas les lois de la physique, comme si la science-fiction, contrairement à toute la littérature, se devait absolument de respecter les lois de la physique, sans se demander peut-être pourquoi on appelait cette représentation étrange Gargantua, et sans voir surtout qu'elle faisait un petit écho à la Chambre Blanche dans 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Donc de voir plutôt cette littérature comme une manière de puiser des images, et ça fait penser aussi à la citation d'Einstein que vous avez présentée, de puiser des images qui proviennent du monde scientifique ou industriel, et de s'interroger d'une certaine manière, métaphoriquement, sur la manière dont l'être humain est pétri par ces images. Hein. Y a beaucoup de ces images de la science-fiction qui sont devenues aujourd'hui des évaluations à l'aune du réel, le robot, les extraterrestres, etc., alors qu'elles sont évoquées au départ pour évoquer ce qu'est devenu l'humain dans un monde industriel ou dans un monde impérialiste, par exemple chez Wells pour les extraterrestres. Donc ma question, ma première intervention par rapport à ça, c'est de me demander... Dans la présentation, vous avez beaucoup parlé de la manière dont la poésie que vous faites ou d'autres disons, éléments que vous avez montrés s'inspirent, soit du cosmos, la contemplation du cosmos, soit même des choses plus récentes dans la manière de décrire des objets comme le trou noir. Et je m'interrogeais sur le fait, est-ce que la poésie peut apporter quelque chose aux études cosmologiques ? Alors, donc, c'est pas une question sur la science-fiction, finalement. On commence par ça. Alors, si les poètes peuvent s'inspirer des travaux des scientifiques ou des savants, comme on le disait dans le temps, pour leur propre inspiration, malheureusement, l'inverse est assez rare. Si je prends par exemple le cas d'Edgar Poe, que j'ai cité, qui résout réellement l'énigme du noir de la nuit, il faudra mettre 60 ans pour s'en apercevoir. Donc, aucune influence. Voilà. Donc, alors, on peut avoir des scientifiques qui lisent de la poésie, ou je ne pense pas que ça apporte réellement. Voilà, la fertilisation se passe surtout dans un seul sens. Je pensais à ça. Mais en revanche, ce qui est important pour moi, c'est que, comment dire, lire la poésie, pratiquer la poésie, et généralement les arts, on s'est un petit peu fatigué, excusez-moi, baigne l'esprit dans une sorte de climat
de climat esthétique. Et c'est plutôt par ce biais souterrain que vont se faire les fertilisations. Hein. Par exemple, on dit souvent que la musique est un art qui est particulièrement pratiqué chez les mathématiciens, les physiciens, théoriciens. Voilà. Et je suis persuadé qu'il y a des fertilisations souterraines. Quelqu'un qui est passionné de peinture, qui va visiter beaucoup de musées, etc., ça fertilise ses images intérieures, ça enrichit ses images intérieures par des productions humaines, etc., et ça nourrit son imagination. Et après, la création scientifique, ça part aussi de l'imagination et de l'imaginaire. Donc je dirais qu'il y a des fertilisations croisées, mais elles ne sont pas directes, elles sont souterraines et parfois un peu complexes à être... Cette question était liée aussi à la citation d'Einstein que je trouve intéressante, cette idée que tous les modèles avec lesquels on appréhende le cosmos, par exemple, hein, qu'ils soient poétiques, philosophiques, et scientifiques, puisqu'il parle du savant, sont des images, parfois d'ailleurs qu'on substitue au réel. Est-ce que c'est même possible de faire autrement que de créer une image du réel, puisque atteindre le réel directement est quand même relativement problématique. Et donc soudainement, le lien dans les deux sens... peut être un lien qui se comprend aussi de cette manière-là. Parce que quelque part, il y a quelque chose de très jungien là-dedans. C'est-à-dire, on a des archétypes. Ce sont des images. On a en nous des images primordiales. Les images primordiales, elles peuvent venir aussi bien de l'histoire de l'art, de la poésie, etc., etc. Et ces images, c'est pas si surprenant. Par exemple, des fois, on s'étonne, on regarde les modèles du Big Bang, l'évolution, le vide quantique aujourd'hui qui joue un rôle. Et on va regarder dans des anciennes cosmogonies et on trouve, mais c'est bizarre déjà, les Chinois, ils avaient parlé de choses que ça ressemble au modèle que l'on fait, du vide quantique, l'énergie du vide, etc., etc. C'est pas si étonnant que ça, parce que ce sont des archétypes sur la façon de penser le monde. Quand on se met à penser la naissance, l'origine du monde, vous savez quoi ? Ça sort de quoi ? Du chaos, du noir, d'un milieu indéfini, de la mer, de l'océan. Ben, tous ces gens, ce sont des métaphores, ce sont des archétypes de la pensée. Et à un moment, dans la recherche scientifique, ça se cristallise d'une certaine manière. Donc on trouve beaucoup, effectivement, d'éléments communs par ce biais-là, qu'on peut appeler des archétypes. D'ailleurs, mon cher Kepler, sur lequel j'ai écrit deux de mes romans, je crois que c'est lui qui a inventé pour la première fois le terme d'archétype, qui sera repris bien plus tard par Jung, précisément. Parce que pour lui, Kepler disait, avec une intuition absolument phénoménale, que les archétypes, pour lui, c'est les archétypes de la géométrie. C'est-à-dire qu'il avait déjà eu l'intuition, il avait déjà eu l'idée d'un modèle géométrique du système solaire dans lequel il utilisait les archétypes géométriques qui s'appellent les cinq solides platoniciens qu'il avait essayé d'emboîter d'une certaine manière pour expliquer la distribution des orbites célestes. Il est allé beaucoup plus loin dans un travail beaucoup moins connu mais qui est tout aussi prodigieux. Il avait commencé à réfléchir aux formes de la nature. Par exemple, pourquoi les alvéoles d'abeilles ont telle forme ? Pourquoi les pépins de grenade ont telle forme ? Il a écrit un petit traité qui s'appelle « La neige sexangulaire ». Extraordinaire, où il a l'intuition, trois siècles avant, qu'en fait, il y a des formes géométriques qui minimisent les interactions, enfin, qui optimisent les interactions avec l'environnement. Et cette optimisation se fait à travers des formes géométriques très précises, et donc Kepler écrit très précisément, il y a des archétypes de la géométrie à partir desquels tout se construit, depuis le tout petit jusqu'au plus grand. Oui, je voulais juste peut-être faire un petit commentaire au sujet de l'intuition des poètes qui parfois est une sorte de prémonition de la science. Un grand poète de la Renaissance, Giordano Bruno, qui sera assassiné par l'Inquisition le 17 février 1600 sur le Campo di Fiore à Rome, avait imaginé un monde infini, il avait imaginé un monde constitué d'étoiles, de planètes, certaines habitées, d'autres pas habitées. Il avait cette intuition d'infinitude et de la richesse des possibilités qu'offre notre cosmos. Richesse d'ailleurs qu'avait déjà 2000 ans plus tôt envisagé Héraclide du Pont. J'aimerais aussi souligner, parfois on pourrait peut-être se prêter à certains raccourcis. Je pense à Alan Poe, en fait, dans son fameux Eureka, qui a été traduit d'ailleurs très très bellement par Baudelaire en français,
dans son poème Eureka, où il parle de façon extrêmement étonnante de l'univers, il a le mot, par exemple, de répulsion, et certains ont pensé qu'il avait envisagé l'énergie sombre et son caractère répulsif qui allait engendrer l'accélération de l'expansion de notre univers. Et je pense que Poe, alors là je n'ai absolument aucune preuve, mais je pense que Poe, qui a vécu au 19e siècle, grosso modo il naît en 1800, il meurt en 1849 ou 50 à Baltimore, aux États-Unis, il vit dans le siècle de l'électricité. Et je pense que quand il parle de répulsion, il fait plus... il associe plus aux connaissances qu'il a, très récentes d'ailleurs, de ce siècle de l'électricité qu'est le 19e siècle, et des forces répulsives que peut avoir deux aimants quand on les confronte, deux pôles de la même polarité. J'abonde absolument dans ton sens. Il y a parfois, on peut aller jusqu'à un certain délire d'interprétation. J'ai fait toute une étude sur Eureka d'Edgar Poe. Il y a des choses, des perles étonnantes, mais c'est effectivement, attraction-répulsion, ce sont des termes de l'époque. C'est le magnétisme, c'est l'électricité. Puis c'est aussi, c'est le côté mystique d'Edgar Poe, le noir, le blanc, le dieu, le diable, la dualité. Voilà, donc c'est, évidemment, ce ne sont pas des anticipations. Voilà. Alors c'est un jeu après de reconstruire et de prêter à des poètes, à des artistes, à travers les intuitions qui résonnent à travers nos connaissances modernes, de leur prêter plus que ce qu'ils ont réellement voulu dire. Mais il est quand même intéressant, malgré tout, de faire ce travail, parce que justement, on en revient toujours aux archétypes. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais moi j'ai été un lecteur, mais fou de science-fiction, hein, toute mon enfance et mon adolescence, mais j'ai lu toute la science-fiction possible et imaginable. Et donc, je n'en ai pas du tout parlé, mais je pense que d'une certaine façon aussi, et de façon souterraine, ça a pu effectivement irriguer mon essai. Ça a certainement irrigué mon imaginaire, que j'ai utilisé après, par la suite, pour certains de mes travaux scientifiques. Alors, disons que c'est... Bon, déjà, j'en suis ravi. Donc, pour ceux qui ne... je voulais justement revenir, parce que dans la science-fiction... on voit souvent, on évoque souvent pour le cosmos, le côté soit ce qu'on appelle le space opera, donc les conquêtes galactiques qui font évidemment, qui sont intéressantes pour un lectorat, disons, relativement rapide comme ça, où on voit des objets célestes. Rappelez-vous le film Le Trou Noir de Walt Disney, où on plonge dans le trou noir, ça permet des effets évidemment cinématographiques et narratifs intéressants. Et puis il y a une autre partie un peu plus discrète, elle de la science-fiction, qui vont utiliser les découvertes astronomiques ou bien certaines questions liées au développement de la cosmologie de manière un peu plus sombre, en tout cas un peu plus humaine. Je pense à un auteur, par exemple, qui est souvent assez connu à l'EPFL, mais pas forcément à l'extérieur, qui s'appelle Lovecraft, hein, Howard Phillips Lovecraft, que tout le monde ne connaît pas. Pourtant, tout le monde voit à peu près la créature d'alien qui a été faite par l'artiste suisse Hans Rudi Giger, qui en fait s'appelle le Necronomicon, et qui est le nom d'un livre fictif qui apparaît chez Lovecraft, dans lequel il imagine, pour ceux qui n'ont pas lu, des espèces de grosses créatures irreprésentables, hein, sous terre, qui seraient des extraterrestres, d'une certaine manière, et qui dormiraient sous terre, et qui investiraient nos rêves pour nous faire avoir envie d'aller vers eux, et plus on se rapproche de ces créatures-là, et plus on sombre dans la folie. Et donc, on a souvent qualifié Lovecraft d'écrivain horrifique. Or, ce qu'il fait, c'est plutôt, et c'est là le rapport avec l'espace, il se rend compte qu'il y a un bond gigantesque qui est fait dans la dimension de l'espace entre la fin du 18e, début du 19e, pour le grand public. On est passé d'un espace relativement modeste, disons, pour la plupart des gens, à un espace quasiment irreprésentable de nouveau. Et donc, pourvu d'un million, d'un milliard, des dizaines de milliards, enfin, vous voyez, tous ces chiffres qui sont impossibles à énumérer, puisque je crois que j'avais fait un calcul dernièrement que 1,8 milliard, il faut 57 ans pour énumérer 1,8 milliard à un chiffre par seconde. Donc, vous voyez, quand vous dites 20 milliards, vous dites bon. Et qui s'était dit, qu'est-ce que ça donne comme impact sur la vie humaine? C'est que d'un coup, on a accepté sans aucun problème, quasiment, tout le monde, vous, moi, nous, que l'univers était aussi grand. Et Lovecraft envoie une conséquence de l'absurdité. Il dit, à travers ces grands anciens, ces métaphores qui sont ces espèces d'extraterrestres, on a accepté quelque chose qui a fait que du jour au lendemain, notre vie n'a plus de sens.
Et donc, on devient fou. Hein. Il représente la folie et dit, comment ça se fait que vous, lecteurs, quand on vous a dit ces choses-là, on a fait disparaître Dieu, on a fait disparaître les anciennes valeurs, etc., ça ne vous a rien fait, en fait. Vous l'avez accepté facilement. Et je m'interrogeais justement sur quelqu'un comme vous qui travaillait dans plusieurs dimensions, sur cette idée, on va dire, non pas morale, mais cette idée anthropologique qu'on va voir apparaître dans une certaine science-fiction de qualité. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que, et c'est là où il y a peut-être aussi ce lien avec la poésie, est-ce que finalement on peut dire si facilement, avec un modèle, l'univers a tant de milliards d'années, finalement ce que vous vivez, ce que nous vivons, et on l'entend parfois dans certains discours, c'est du matérialisme pur, il n'y a pas de réaction à voir, c'est comme ça. Et comme si on ne voulait pas densifier ces résultats pour voir les impacts qu'ils pouvaient avoir sur l'existence humaine. Donc c'est ces questions-là qui paraissent un peu compliquées. C'est quels sont les impacts que quelqu'un qui travaille à l'interface de plusieurs domaines peut amener dans sa propre discipline. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui impunément, comme vous l'avez montré dans une slide, voilà, on remonte le temps, on dit, son problème, il y a un point d'interrogation. Avant, c'est une question de fusion entre la mécanique quantique et la relativité générale. Et quelles sont les conséquences de tout ça sur l'être humain qui a été raconté? C'est ces conséquences qui sont souvent racontées dans les textes de science-fiction ou dans les films parfois. Oui, alors donc, pour en revenir à la science-fiction, je vous ai dit que j'avais été un lecteur fou et assidu de la science-fiction. Et c'est effectivement pas du tout le space opéra, les grandes sagas galactiques qui m'ont. Même si j'ai tout lu, Asimov, Van Vogt, tout cela, les grands classiques. Mais c'est plutôt, cette science-fiction plus sombre qui s'intéresse finalement. La science-fiction, c'est la condition de l'homme, toujours. Il est placé dans un univers toujours plus étrange, toujours plus dérangeant. Alors, vous avez cité Lovecraft. En principe, Lovecraft, on le classe plutôt dans littérature fantastique plutôt que science-fiction. Moi, j'ai lu l'intégralité de Lovecraft. Les légendes de Cthulhu, c'est fascinant. Y compris, après, les suiveurs qui ont continué une fois que Lovecraft était mort. Alors, si on était dans le délire interprétatif, on pourrait dire que Lovecraft aurait anticipé les dimensions supplémentaires de cachées de l'univers. Puisqu'en fait, ces créatures épouvantables, en général, elles le sont effectivement, elles sont cachées, mais de temps en temps, à l'occasion de certaines anomalies spatio-temporelles, elles émergent subitement, et puis après, elles regagnent les autres dimensions cachées de l'univers. Donc on peut effectivement faire ce délire d'interprétation, mais ce n'était pas du tout effectivement dans l'esprit de Lovecraft. Et donc moi, parmi les auteurs de science-fiction qui m'ont le plus touché, j'en suis un qui est très connu, en fait, c'est Philippe K. Dick, parce que Philippe K. Dick, vraiment, ce qui l'intéresse, lui, c'est l'évolution de l'homme dans une société face à un univers qui devient toujours plus complexe et toujours, quelque part, plus hostile, en fait, à l'être humain. Et il y a beaucoup de textes qui ont été écrits, qui ont analysé l'œuvre de Philippe K. Dick. Et moi, c'est cette science-fiction qui m'a le plus touché et qui peut-être finalement m'a le plus influencé. Donc vous voyez, c'est pas dans Philippe K. Dick, vous n'allez pas trouver une science-fiction technique où vous allez avoir des descriptions d'univers aux formes bizarres avec des chiffres de milliards d'années-lumière, etc. C'est vraiment le rapport de l'homme. Il a également fait des uchronies, hein, la fameuse uchronie, le maître du haut château, où il imagine, peut-être à partir effectivement de l'idée de la bifurcation des univers d'Everett en physique quantique, vous savez, voilà. Donc il y a une bifurcation d'univers et vous aboutez sur un univers où l'histoire a légèrement changé, où ce sont les nazis qui ont gagné la guerre. Donc il écrit une uchronie absolument fascinante qui s'appelle Le Maître du Haut Château. Vous connaissez peut-être parce qu'il y a des séries télévisuelles qui ont été tirées de ça, mais le roman il est bien meilleur. Et donc ça pose des questions extraordinairement pertinentes sur ce que c'est l'espace, sur ce que c'est le temps, et sur ce que l'humain vient faire là-dedans et sur la part de est-ce que c'est les choses. Les probabilités ou les choses, est-ce qu'elles sont inéluctables ou pas? Est-ce que toutes les possibilités sont réalisées? Donc ce sont des questions extraordinairement profondes. Et certains auteurs apportent des réponses sur lesquelles la science n'a pas grand-chose à dire pour l'instant. J'aimerais aussi faire une remarque très générale en disant que je trouve toujours extrêmement dommageable que des personnes se croient uniquement
lettreuses, entre guillemets, que d'autres se croient uniquement scientifiques, ne lisent jamais un livre, un roman ou de la poésie, alors qu'en fait, lorsque l'on regarde les enfants, les petits-enfants, on a l'impression d'une multiplicité des talents, des dons, et je trouve très regrettable que souvent les gens s'orientent dans une seule des possibilités intellectuelles qui leur sont offertes dès le début de leur vie. Merci beaucoup d'avoir lancé par la table ronde la discussion.